Ce résumé vous est présenté par Lay's et PlayStation. Sponsor de l'UEFA Champions League. Danger pour le Zénith. Il est pas mal botté au premier. Ça termine déjà au fond. Timo Werner, est-ce que le ballon était pas déjà rentré? Je ne pense pas. Match qui commence sur les chapeaux de rouge. Je vous le disais, on l'avait senti dès les premières minutes avec un pressing. Le pressing de cet homme de Thomas Tuchel d'emblée de jeu. On a bien compris qu'ils sont parvenus ici en promenade. Et puis, ça fait mouche sur la première phase arrêtée. Oh, bien joué de la part de Claudinho. Il a vu Malcolm, bien sûr qu'il l'a vu. La passe, elle est magnifique. Ça doit aller au fond pour Malcolm. Le Brésilien face à Kepa. Impeccable intervention du gardien espagnol. Non, c'est pas Jorginho, c'est pas Kanté évidemment. Le nouveau Claudinho, c'est intéressant. Oh, le centre, il était parfait vers Azmoun. Et attention, cette reconversion, elle peut faire mal parce que Chelsea a les armes aussi pour accélérer. Mason Mount qui va donner une solution, qui va surtout offrir le terrain à Timo Werner. Lukaku maintenant va se mettre pied gauche, il va tenter de joindre Mason Mount. Le ballon est parfait, l'arrêt de Kerzakov, providentiel aussi. Malcolm, petit ballon intéressant, Claudinho qui essaie de faire sauter, il était hors jeu de toute façon. La tête ratée, dégagement d'Azpilicueta. On en a un petit peu plein les pieds quand même. On commence à prendre confiance. Douglas Santos, il a levé la tête, il l'a vu. La tête, le but de Claudinho. Et je pense qu'il n'est pas hors jeu. Superbe centre de Douglas Santos qui a levé la tête, qui a eu tout le temps de donner toute la précision nécessaire à son ballon. Et Claudinho qui vient claquer le but égalisateur. On va être tout à fait honnête, c'est mérité quand même, hein, au but de ce que montre le Zénith depuis 20 minutes. Ils sortent, ils essayent, ils se sont créés de grosses opportunités. Oh, le ballon, il est parfait vers Azmoun. Il est magnifique, qui peut faire 2-1 dans la foulée du 1-1. Et il le fait, Sardar Azmoun. 2-1, eh oui, Tuchel, il est désespéré évidemment. Ça part d'une prise de risque, hein, de Ross Barkley. Et derrière, c'est juste magnifique. Malcolm, attention pas en prendre le troisième dans la foulée. Azmoun, c'est pas possible. Oh, le réflexe de Kepa, magnifique. Werner, on est une bonne illustration d'ailleurs. Petit ballon. Oh, la combinaison, elle est parfaite. Et le voilà, le but de Lukaku. Il suffisait de le dire, mais est-ce qu'il n'est pas hors jeu? On va voir ça tout de suite. Romelu Lukaku, je venais de vous dire qu'il aimerait bien évidemment rééditer sa prestation du match aller avec l'unique but de la rencontre inscrit de son corps. Et ici le voilà, ce petit but. Il n'avait plus marqué depuis le 14 septembre, depuis ce match contre le Zénith. Le centre légèrement touché à la tête. Ça termine au fond, non, c'est juste à côté. Par Karabaev. Ouais, ça casse une ligne, c'est pas mal par contre. Petit ballon sauté, Ziyech, c'est en combinaison, c'est bien joué. Werner maintenant, il sort les pieds droits, il frappe, c'est superbe. C'est remarquable, but dans les petits espaces. Timo Werner qui s'offre un doublé. Je venais de vous dire que c'était certainement la bonne satisfaction pour Tuchel dans cette rencontre très compliquée. Lukaku est content, on va dire sans plus. Et donc ce 2-3 en fin de match va certainement sonner le glas du Zénith. Hein. Ça va être compliqué. Djouba, bien vu. Bah oui, il est pratique évidemment. On n'a pas besoin de sauter. Osterweireld
au centre de Mostovo et Vertuba. Et c'est Malang Sarr qui gagne son duel. La frappe. Oh, quel but! Quelle reprise en plein dans la Lulu, s'il vous plaît! Quel envoi! Quelle pêche! Parfaite! Absolument sensationnelle! Je vous disais justement que la Juventus allait regarder attentivement la fin de cette rencontre. Et là, s'il y a des supporters qui ont le résultat et la vidéo, ils ont dû exulter de joie. Ce résumé vous a été présenté par Lays et PlayStation. Sponsor de l'UEFA Champions League.